fil des années, on voit beaucoup de colloques, et comme j'ai mémoire universitaire de plus de 40 ans, cette mémoire est longue. Et je dois dire qu'à plusieurs égards, le colloque de Berviguières, pour beaucoup d'entre nous, restera un souvenir particulier. Et je dois dire que c'est très probablement à notre hôte que nous le devons. Alors, lorsque les actes du colloque seront publiés, eh bien, il y aura le titre et il y aura un sous-titre en l'honneur de Jonathan Sonchez. Car, chers collègues, au nom de tous, personnellement aussi, de la part de Monsieur Pépin, de la part de Frédéric Boutoul, nous tenons à vous exprimer notre gratitude et aussi, ce sont deux choses différentes, de la gratitude et un hommage pour votre œuvre qui n'est pas banale, car vous-même n'êtes pas un personnage banal, puisque vous avez une double œuvre de juriste, couronnée amplement par le succès comme avocat et plus récemment comme magistrat qui siège au plus haut rang en Angleterre. Et vous avez aussi une œuvre d'historien qui, dans le domaine de l'histoire militaire, est une référence. Déjà, 3 volumes, un en préparation, et dans cette série de volumes, ordonnés chronologiquement sur la guerre de 100 ans, toutes les sources, qu'elles soient narratives, administratives, sont mises à contribution, toutes les perspectives et tactiques et stratégiques sont examinées tour à tour, votre œuvre restera donc comme une somme, une de ces sommes de très long usage auxquelles on fait référence sur plusieurs générations. Grâce vous en soit rendue et pour votre hospitalité et pour votre œuvre. Alors bien entendu, c'est l'œuvre de l'historien que nous saluons ici, mais dans ces domaines, dans ces temps d'extrême professionnalisation de l'histoire, la profession s'enrichit toujours de la présence de gens qui ne rentrent pas dans le moule, de ceux qui traversent les frontières, des historiens de l'art qui viennent faire de l'histoire et réciproquement des historiens de la littérature. Et quand quelqu'un qui n'est pas estampillé par l'université, historien professionnel rejoint nos rangs, c'est parfois comme vous, avec une œuvre très riche. Merci et tout honneur vous soit rendu, monsieur. Je suis très honoré de ce que vous avez dit et je vous en remercie infiniment. Merci. Merci, monsieur.